Le tapis rouge déroulé une fois encore en Syrie pour Bachar al-Assad, qui a prêté serment ce samedi à Damas pour un quatrième mandat de président. Au pouvoir depuis 2000, il avait été réélu triomphalement en mai dernier sans véritable opposition, avec plus de 95% des voix. Un scrutin dont la légitimité a été dénoncée par l'Union européenne et les États-Unis. Lors de son discours d'investiture, Bachar al-Assad a fixé les priorités de son nouveau mandat. Le président syrien entend rebâtir un pays dévasté par des années de guerre et en proie à une grave crise économique et financière. La Syrie connaît une dépréciation historique de sa monnaie, une inflation galopante et un taux de pauvreté qui touche 80% de la population, selon l'ONU. L'autre priorité de Bachar al-Assad est de reprendre l'intégralité du territoire syrien, alors qu'une partie de la province d'Idlib au nord-ouest est encore aux mains des groupes rebelles.